Coucou mes petits mochis! Aujourd'hui on va à Universal Studios! J'ai beaucoup trop hâte! Ça va être trop cool! Donc c'est parti, je vous emmène avec moi comme d'habitude! Et c'est un nouveau jour au Japon! On commence la journée chez Starbucks! Lui il a pris un grand, c'est un gourmand! Moi j'ai pris un petit, ça a l'air hyper bon! Alors? C'est bon. C'est froid. Ça y est, on est à Universal Studios et on va essayer. Yeah. Et d'ailleurs, regardez, on a fait presque des t-shirts de Cooks et des t-shirts sushi. Et bref. On va essayer d'aller chercher des tickets pour Harry Potter parce qu'apparemment il faut les prendre à l'avance. Pour pouvoir rentrer dans le secteur Harry Potter, c'est pas comme les autres secteurs. Et ensuite on va profiter du parc, j'ai trop hâte. Tout ce que j'ai vu jusque là, je suis genre en mode... Mais c'est trop mignon. Bref, voilà. T'es prêt? Vous reconnaissez cet endroit? C'est magique. J'espère que l'attraction va valoir le coup là, franchement, parce que il fait beaucoup trop chaud. T'es prêt? Maintenant, oui, parce que bon, le temps qu'on attend, on va voir ça maintenant. Ça dépend, on sort de la queue. Ah ouais. C'était beau autour, non? Franchement, la queue, elle était ultra longue, mais ça vaut vachement le coup. Ça fait un peu comme, les trucs du photoroscope, mais en mode Harry Potter, et c'est hyper, hyper bien fait. Donc non, franchement, c'est maintenant, à Flight of the Hippogriff. Ouais, maintenant, il y a une heure de queue. Bon bah, c'est parti, hein. Encore une heure de queue. On va manger? Sur le bouton et on va essayer d'aller manger les burgers mignons. Il a l'air tellement excité, c'est un truc de dingue. Oui. C'est bon, ça va mieux? C'est mieux, j'ai faim. Quoi? Ah oui, ça peut être utile en effet. Merci. Il a laissé que l'œil du mignon. Non, c'est le sien, il le tient. J'ai fait un gros plan sur ta tête. Quoi? Bon, j'en profite, elle est partie aux toilettes pour vous dire que... Ah non merde, elle est revenue. Elle est là. Bon bah trop tard, je le dirai plus tard. C'est ce qu'on a fait. On vient de le faire. Mais te mets pas devant, on repart après. Je
qu'on voit tout. En fait, on est allongé. Ouais, c'est ça, on est allongé. Comme si l'oiseau nous portait. Allongé vers le sol, quoi. Donc, si ça lâche, on est mort. On va avoir le vertige. Ça lâche, on est mort, c'est clair. Mais c'est franchement trop cool avec les loopings et tout. Du coup, tous les loopings sont inversés en quelque sorte. Mais c'est vraiment trop, trop, trop bien, quoi. Ça va vite et tout. Enfin, bref, j'ai adoré. Par contre, on a fait genre une heure et demie de queue, quoi. Donc, voilà, mais ça valait le coup. Je suis contente de l'avoir fait. Vous pouvez pas comprendre en vidéo, mais. Il y a c'est une satisfaction. Vous voyez le chamallow à toucher ce truc, c'est juste hyper agréable. Non, mais moi je trouve ça la texture du chamallow. Vous voyez le chamallow? C'est encore plus mou que du chamallow, je sais pas comment expliquer ça. On dirait qu'ils nous regardent quand même. Tada, c'est grand mignon. Non, c'est pas... Je suis sûre qu'on n'a pas le droit de rentrer, nous. Quand tu fais une heure de queue, t'es plus à 15 minutes. Bref, et donc là on va essayer d'aller voir un petit magasin. Et puis après on verra bien. Mais en tout cas le manège il était vraiment top. Il est vraiment trop trop cool. Avec des loopings et tout, c'est trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool, mais ça aurait été encore plus cool à l'envers. C'est quoi le manège que t'as préféré? Ah, c'est compliqué parce qu'on a fait des trucs différents. Moi je pense que c'est le Flying Tiger en fait. Ouais, mais après j'ai kiffé le mignon et le Spider-Man, mais c'était un autre univers, c'est autre chose. Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas vraiment un manège à sensation en fait. Voilà, mais après oui, celui-là il était cool, le Flying. Ouais. Mais même celui qu'on a fait là il était cool. Mais du coup je suis déçue parce qu'en fait il fait que la moitié. Je croyais qu'il était hyper grand, mais il fait que la moitié parce que la deuxième moitié c'est pour ceux qui vont à l'envers du coup. C'est pas très très intelligent. Mais non, mais je pouvais pas deviner en même temps. Bref. Pas très, très on va essayer de trouver un truc à grignoter aussi parce que j'ai fait. Genre tu veux te battre. Satisfaisant.
a déjà été servi. Et moi, j'attends les miens. C'était une nuit froide. Et moi, je les ai pris chauds en soupe. Bon, mes petits mochi. Cette tête horrible. Mes petits mochi, je vais couper le vlog ici parce qu'on est encore une fois complètement chaos. On va se manger un petit dessert composé de mochi et de fruits. Et après, oh là là! Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain on repart d'Osaka, mais avant on va se balader un petit peu. Donc à demain!